Eh bien, bonjour chez vous, merci d'être avec nous. C'est votre rendez-vous quotidien, 16h-18h sur France Maghreb 2. C'est là que ça se passe, le LGF, le grand forum. Mais ça nous fait bien plaisir en ce jeudi 20 septembre. On tenait bien la date sur le calendrier, puisque Islem Seyli est avec nous. Salut Islem. Salut, salut à tous. Je t'avais pas revu depuis le Cabaret Sauvage. Eh ouais. Ça date, hein. Ah, ça fait plaisir. Bon, en plus, c'était le 20 juin. C'était le 20 juin, ouais. Pile poil, hein. T'as vu? Tu vois, moi je suis un homme de chiffres. C'est ça. Comment ça va, Islem? Ça va très bien, et toi, Christophe? T'as passé de bonnes vacances? J'ai passé d'excellentes vacances, ouais. Oui. Oui, j'imagine, oui. T'imagines? Oui. Oui, là où t'as été, j'imagine que ça devait être vraiment très bien. Merci. Ouais, c'était bien, ouais. Alors, pour ta rentrée, tu vas nous parler de Zemmour. Je vais parler de Zemmour, de prénom, on va bien s'amuser. Oui. Et Zemmour, eh bien, on va en parler aussi avec l'avis tranché de Yasser Louati. Sous un autre angle, un autre axe, c'est l'affaire effectivement de la semaine. Et donc ces nouvelles provocations, juste à titre d'information, il est son livre est en deuxième position sur les meilleures ventes de livres sur Amazon. Et il a réussi son coup. Il a réussi son coup, voilà. Excellent. Ça marche, c'est parfait, ça provoque, ça discrimine et ça marche. Voilà comment ça se passe pour vendre des livres en France. Ouais. Allez, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, voici le programme pour ce LGF de ce jeudi 20 septembre. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Et ouais, même Verlaine a tiré sur Rimbaud, c'était l'ami Médine à l'instant sur France Maghreb 2. C'est du lourd, du très bon. Et il va bientôt passer au Bataclan. Ça avait d'ailleurs fait créer la polémique et sans nul doute que ça la recréera de nouveau à quelques jours de son passage au Bataclan. Médine, le rappeur du Havre, qu'on salue d'ailleurs, puisqu'on sait qu'il nous écoute de temps en temps sur France Maghreb 2. Voilà, pour le petit coup de cœur musical, Islem, histoire de se mettre bien en jambe pour cette émission. Restez bien avec nous, Yasser Louati qui devrait pas tarder d'arriver. Et on va ensemble élaborer cette question du jour. Et cette statistique avancée par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, à propos de musulmans incarcérés dans les prisons. On vous expliquera un petit peu comment tout cela est arrivé au travers d'une lettre remise à Nicolas Beau, membre du RN, le Rassemblement National. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler qu'on a appris que le procureur avait prescrit une expertise psychiatrique pour Marine Le Pen dans l'affaire des tweets, des images de Daesh qu'elle avait publiées sur Twitter. Vous vous en souvenez? Eh bien, le procureur a prescrit une expertise psychiatrique pour Marine Le Pen. Je vous jure que c'est vrai que ça ne s'invente pas. Bah, les choses rentrent dans l'ordre, en fait. C'est normal. Elle est très vénère, Marine Le Pen. Et elle a dit, je ne sais pas comment le procureur va pouvoir m'y contraindre. Restez bien avec nous sur France Maghreb 2, le LGF pub. Et on est de retour juste après, bien sûr, avec vous, chers amis. France Maghreb 2, France Maghreb. Dans le roi de la radio, bah oui. Bah quand on arrive à passer sur France Maghreb avec ça, à Clermont-Ferrand. On passe partout, Maître Gims, on entend partout aujourd'hui. Il est numéro un, number one partout. Et ouais. C'est heureusement, bon, il n'emploie pas les mêmes méthodes qu'Éric Zemmour, hein, qui est pourtant, rappelons-le, le deuxième livre le plus vendu sur Amazon. Ça en dit long sur la France, hein. Ah oui, c'est clair. Et justement, c'est bien tombé puisque Éric Zemmour, on va en parler à deux reprises. Certainement dans deux approches totalement différentes. Ouais. D'un coup, Islem Seyli pour les prénoms. Et le titre de ta chronique, mon cher Yasser Louati, à 17h30. Je l'ai pas encore. Bonjour d'abord. Bonjour à tout le monde. Ça fait un moment que j'étais pas venu. Oui, c'est vrai ça. C'est ta rentrée d'ailleurs. Je crois que c'est ma rentrée. Oui, c'est votre rentrée à tous les deux. C'est le premier jeudi, c'est Louati quoi. Donc. C'est ça. Permis. Tout est permis, oui. Ou presque. Ou presque. Yasser, ravi de t'en voir aussi. Bonnes vacances. Tout est bien. C'est bien passé. C'est très bien passé. Comment va le CJL? Le Comité CJL, Justice et Liberté pour tous. Ça avance. Site internet est en passe d'être lancé. Toute la paperasse est faite. Le compte, etc. Il y a pour information. Journaliste d'investigation qui travaille à temps plein depuis 3 mois maintenant. Ça y est. Donc j'ai réussi à lever des fonds pour payer son salaire. Yes. Je suis un ferme croyant en tout ce qui est fact-checking et investigation, on va dire sans limite. Ouais. Et donc ces investigations sont censées révéler ce qu'on va pas nous faire savoir, d'autre part alimenter le discours du CJL pour qu'il soit le plus factuel possible. Donc le site est en ligne, ça y est. Ça y est. Et c'est www. J'ai pas encore donné parce que j'ai quelques réglages à finir. Ah, d'accord. Ok. J'ai voulu éviter la question. Bon, dommage. Voilà. ça sera pour jeudi prochain, peut-être. Moi, je pense, ouais. De toute façon, c'est quasiment, ce serait peut-être bouclé demain après-demain, je pense. Ouais. On passera un coup de fil à notre ami Majid Messaouden tout à l'heure à 17h parce que vous savez qu'il est passé au tribunal aujourd'hui. Ah, pourquoi? Parce qu'il a qualifié les identitaires
la génération identitaire de nazis, ouais, par rapport à leur attitude de chasser des migrants, vous savez, dans les montagnes. Vous vous en souvenez de cette affaire? Au col de l'échelle, ouais. Voilà, au col de l'échelle, effectivement. Et donc, génération identitaire a porté plainte contre lui, mais pas seulement contre lui. Et il passait donc au nouveau palais de justice de Paris, porte Clichy, aujourd'hui à 13h30. Mais c'est fou comment ceux qui accusent les musulmans qui se spellent l'islamophobie sont toujours dans la posture victimaire. Donc, ça fanfaronne, mais dès qu'on les traîne devant les tribunaux, ils se posent en victime. Et quand on s'en prend à eux, par exemple les identitaires, eh ben maintenant ils portent plainte à leur tour. Ouais. Donc on passera un petit coup de fil tout à l'heure à 17h, notre ami Majid. Moi j'aurais bien aimé les voir, la génération identitaire à Porte de Clichy, ça devait être marrant. Ça devait leur ramener la belle France. Pas sûr comme ils l'aiment. Pas sûr qu'ils se soient rendus, hein. Ils ont peut-être fait venir leur avocat tout simplement. Oh, rien ne les oblige. Hein. Ouais, ah, okay. Rien ne les oblige, absolument. En tout cas, Majid Messaoudan y était, lui. Et il nous dira si comment ça s'est passé, effectivement. Alors, la question du jour pour rentrer directement dans le sujet, c'est Nicole Belloubet, qui est la ministre de la Justice, au cas où vous ne le sauriez pas. Elle avance, pour la première fois, un chiffre précis sur le nombre de musulmans incarcérés dans les prisons françaises. Il représenterait un détenu sur quatre, soit 25,81%. Rappelons que les statistiques religieuses sont interdites en France. La ministre est-elle sortie de son rôle? C'est la question que je vous pose, moi, aujourd'hui, pour tenter de recontextualiser les choses. C'est Nicolas Bay, qui est du RN, donc du Rassemblement National, ex-FN, qui a bien demandé, justement, comment ça se passait au niveau des repas, particulièrement dans les prisons. Est-ce qu'il y avait des repas confessionnels, etc. Et elle a envoyé un courrier, Nicole Belloubet, à Nicolas Bay. Donc, dans lequel elle précise effectivement qu'il y a trois possibilités de menu, qu'il y a des prescriptions particulières, mais c'est à voir avec les aumôniers en question. Et elle avance ce chiffre, donc, de 25,81% de musulmans. Alors, elle se réfère à quoi pour donner ce chiffre? Eh bien, elle se réfère à ceux qui ont demandé des dispositions particulières pendant le mois du Ramadan. Est-ce à dire que les autres détenus qui pourraient être musulmans ne font pas le Ramadan? Peut-être, on ne sait pas. Peut-être pour échapper à la surveillance, on ne sait pas. En tout cas, tout est possible. Ce chiffre est normalement interdit d'être publié, puisque les statistiques religieuses, je le rappelle, sont totalement interdites en France. Est-ce qu'elle est sortie de son rôle, la ministre? Les gars? Bah ouais, carrément. Mais pourquoi elle a fait ça? Enfin, c'était quoi l'intention de faire ça? De dire, ouais, il y a combien de musulmans? Pourquoi elle a pas fait ça sur les juifs ou les bouddhistes? Enfin, je veux dire, c'est un peu naze. Parce que c'est un gars du Rassemblement National qui lui a demandé, et bien sûr, dans son intelligence, qui crève le plafond, elle s'est pas dit, ils vont s'en servir pour alimenter une nouvelle polémique. Ouais. À qui a publié, évidemment, cette lettre? Vous devinez. Valeurs actuelles. Valeurs actuelles. Et le Front National. Voilà, ouais. C'est ça. Ah bah oui. Ah oui. Mais, voilà, donc, on se pose des questions. Et c'est très étonnant, d'ailleurs. Je me suis dit, mais alors, cette lettre va faire le buzz total dans les médias. Ce chiffre va ressortir dans tous les... Eh ben non, quasiment nulle part on en parle. Non, ça passe carrément inaperçu. Quand même recadrer certaines choses. Parce oui, bien sûr, je t'en prie. Parce que pour commencer, oui. Quand on connaît le fonctionnement de la justice, quand on sait qu'elle est plus sévère envers les pauvres et ceux qui ne savent pas se défendre, c'est sûr. Me concernant, oui. Toutes les personnes qui sont en prison ne sont pas nécessairement coupables. Absolument, non, mais ça, d'accord, c'est autre chose. Donc c'est pour ça que dire, c'est pas parce qu'ils sont en prison que ce ne sont plus des êtres humains. Oui. L'autre point, c'est que comment se fait-il que la ministre de la Justice n'a pas pensé un instant à la récupération politique qui sera faite de cette lettre une fois qu'elle aura été obtenue? Moi, sincèrement, c'est une question que je me pose. Donc, ça veut dire que demain, on va chercher à créer une polémique. Eh ben, il y a combien de personnes, d'agriculteurs qui sont en prison. Et donc, dans ce cas-là, ah ben, vous avez vu, les agriculteurs sont de méchants criminels parce qu'ils sont en prison. Mmh. Le procédé est vraiment nauséabond. Mais encore une fois, venant de la part du gouvernement Macron et ceux qui l'entourent, bah écoutez, on est vraiment surpris. Il y avait un autre rapport, hein, sur les statistiques religieuses, je crois que c'était Guillaume Larrivé, je crois, en 2015, je crois que c'était après les attentats d'ailleurs, qui lui avait parlé de 60% de musulmans en prison. Donc voilà, ça varie selon les chiffres. De 60 à 25, oui, il y a une grosse différence. Ouais, on rappelle quand même que Nicole Belloubet, et elle le précise, hein, elle s'appuie sur le fait de gens qui ont demandé un repas particulier, une disposition particulière pendant le mois du Ramadan. Donc ça veut dire que le détenu qui veut avoir une bonne shorba à l'heure de la repas du jeûne. Je sais pas si elle est bonne, la shorba en prison. Hein. Non, mais qui veut avoir un repas similaire à ceux obtenus par, entre guillemets, ceux qui seraient de confession musulmane, ouais, lui compterait lui aussi comme détenu musulman, de confession musulmane. C'est complètement stupide comme approche. Ouais. Mais en tout cas, voilà. C'est ce qu'il y a écrit dans sa lettre, hein, qu'on peut publier parce qu'elle est là, et voilà, elle est visible.
Vous pouvez nous donner votre avis. Vous êtes 82% sur Facebook à nous dire qu'elle est sortie de son rôle, la ministre. 76% sur Twitter. Vous continuez de voter en tout cas sur LGF officiel sur Twitter ou sur Facebook France Maghreb 2. Pierre de Lyon est avec nous pour nous donner aussi son avis au 01 40 33 9000. Bonsoir Pierre. Ouais, bonsoir à tous et merci de me recevoir à l'antenne. Bonsoir Pierre. Alors, est-ce que la ministre est sortie de son rôle ? Alors, oui et non. Oui, parce que en fait, il s'agit de connaître la... Est-ce que c'est pertinent de parler de la religion de quelqu'un lorsqu'il se trouve en prison ? Ça, ce serait non. Mais ce que j'aimerais dire avant tout, c'est que pour moi, les statistiques ethniques ou religieuses devraient devenir à terme et dans le futur la norme. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Alors attends, bouge pas Pierre, parce oui que c'est important ce que tu dis. Est-ce que ça serait intéressant, est-ce que ça devrait devenir la norme, selon Pierre, Yasser, à ce qu'on puisse accéder à des statistiques ethniques ou religieuses ? Dans un monde idéal, oui. Dans un monde idéal, oui. Le problème, c'est qu'une fois qu'on aura ces statistiques ethniques, on pourra commencer à restreindre des postes dits sensibles à ceux qui sont considérés comme musulmans. On le fait déjà alors qu'on ne sait pas qu'ils sont musulmans, juste par leur patronyme ou leur couleur de peau. Pour des personnes qui travaillent par exemple dans le nucléaire, dans l'aérien, dans la police, dans le renseignement, etc. Ouais. Il suffira qu'ils se déclarent musulmans. Et moi je suis désolé, l'histoire contemporaine nous apprend que lorsque les juifs ont coché la case juif, on sait ce qui s'est passé par la suite. Bon, bien sûr, l'histoire ne se répète pas de manière identique. Mais me concernant, étant donné la structure coloniale de la 5ème République, moi sincèrement ça me ferait peur d'avoir des statistiques ethniques, particulièrement aujourd'hui en France, quand on sait que le débat identitaire a monopolisé les débats publics. Pierre. Alors je comprends tout à fait l'opinion de M. Loiti, que j'apprécie et que j'admire d'ailleurs pour son travail. D'ailleurs, j'aimerais le saluer. Vous merci à vous. Recevoir. Par contre, en ce qui me concerne, je vois pas les choses de cette manière. Je comprends les finalités nauséabondes qui pourraient être tirées de ces Allô ? Oui, on vous écoute, Pierre, allez-y. Ah, pardon. Je comprends donc toutes les finalités nauséabondes qui pourraient être tirées de statistiques ethniques. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est que ça permettrait d'éviter que les politiques surfent sur du flou, surfent sur du ressenti. Ça permettrait d'éviter que des Zemmour, dont on parle beaucoup actuellement, qui a un livre à vendre, visiblement, puissent se servir du vide statistique, pour permettre de dire, voilà, ben, ce sont les Noirs et les Arabes qui sont en prison. Et d'ailleurs, j'aimerais rebondir, vous avez dit que très peu de monde a relevé cette information qui a été publiée dans Valeurs Actuelles, peut-être parce que justement ils s'attendaient à ce que le nombre soit plus important. Bizarrement, moi en tout cas c'est la compréhension que j'en ai. Par ailleurs, on peut aussi estimer que ceux qui sont contre, comme M. Loati justement, en fait craignent l'utilisation qui pourrait être faite de ces stats. Mais en parallèle, si on commence à faire de la statistique ethnique, et c'est là que le problème de Madame Belloubet, c'est qu'elle a utilisé pour la première fois, on l'utilise par rapport aux prisons. Ce qui serait intéressant, ce serait également de faire un profil socio-professionnel des personnes qui sont incarcérées. Quel est leur background ? D'où viennent-ils ? S'il y avait des statistiques ethniques qui parlaient du niveau des salaires, qui parlaient de l'accès au logement, qui parlaient de l'accès à l'emploi, qui parlaient de l'accès à l'éducation, qui parlaient de l'accès à la culture, on se rendrait peut-être compte qu'il existe des causes factuelles qui permettent d'expliquer le fait qu'il y ait une surreprésentativité d'une partie de la population française en prison par rapport à d'autres. Et donc c'est dans ça que je pense que ça pourrait nous aider à combattre des idées racistes, hein, tout simplement. C'est parce qu'on pourrait non pas expliquer à titre individuel, je n'explique pas la prison, je ne justifie pas la prison lorsque l'on commet un délit ou un crime, on se doit d'être puni. Mais par contre, au niveau global, au niveau sociologique, ça pourrait permettre d'expliquer bon nombre de choses. Et enfin, ça pourrait surtout, alors je me permets, hein, je terminerai là-dessus, de comprendre qu'il est anormal qu'une population soit confinée dans la pauvreté, enfin la pauvreté, j'exagère un petit peu, je force le trait, mais disons dans les couches inférieures de la société française, parce que s'il y a une surreprésentativité en prison, c'est qu'il y a aussi une surreprésentativité dans les couches économiques inférieures. Et c'est là que se trouve le vrai scandale, et je pense que les statistiques ethniques, religieuses, etc. pourraient nous servir à ça. Par contre, là où je terminerai là-dessus, hein, là où Madame Belloubet a complètement tort, c'est que, en utilisant la stat technique, elle le fait pourquoi ? Sur quelle base ? Je veux dire, elle aurait très bien pu aussi nous dire, bah écoutez, il y a 47,8% des prisonniers qui sont bruns ou qui ont les yeux marrons. Et donc, on pourra en tirer des conclusions politiques en disant, bah oui, en effet, ceux qui ont les yeux marrons sont plus tentés d'être criminels que d'autres. C'est complètement stupide, ça ne mène à rien et ça ne répond à aucune logique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Eh ben, c'est dit. Merci Pierre de Lyon, en tout cas d'avoir merci dit. Merci à toi, Christophe. Merci à Yasser et merci au troisième intervenant.
passionnant. Bonne journée à tous. Islem, il s'appelle. Merci à vous. Un prénom qui ferait plaisir à Zemmour. Islem. Ah ouais, voilà. Ah ouais. C'est sûr. Là, c'est une insulte à la France, hein, ton prénom. Ah, je te le dis direct. Hein. Bah là, j'en doute pas. Yasser encore, bon, c'est commun, ça passe, tu vois. Ouais. Mais Islem. Ça fait peur. Si t'enlèves. Yasser, je suis pas sûr, hein. Si t'enlèves un. Si tu remplaces le. Yasser, e ça peut faire américain. Yasser. 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 Alors qu'Islem, avec n'importe quel accent, ça y est, c'est cramé. C'est cramé. T'es mort, mec. Donc, Islem Zeli et Yasser Louati. Pas mal l'argument avancé, pas Pierre, non? Ouais, moi j'ai bien aimé, je suis d'accord, ouais, c'est vrai. Alors, on va voir ce que Yasser en pense. Ouais, ce que Yasser en pense. Non, en fait, c'est que tout ça en fait pourrait fonctionner dans un monde idéal. Le problème, oui, c'est qu'on connaît la récupération systématique de ce genre de données pour appuyer un discours politique. Concernant maintenant pour avoir une idée sur les questions des discriminations, etc., nous avons déjà des statistiques qui sont établies. C'est vrai que les études, à chaque fois, c'est est-ce que la personne se définit comme musulmane ou pas. Mais encore une fois, pour parler de choses factuelles, dans le monde, le monde dans lequel on vit, on est dans le monde ce qu'on appelle la post-vérité. Les faits ne comptent plus. Ouais. C'est, je veux dire, si Trump est arrivé au pouvoir, c'est pas pour rien. Les gens qui écoutent Zemmour, les gens qui écoutent Valeurs, enfin qui lisent Valeurs Actuelles ou Radio, ou qui écoutent Radio Courtoisie, on aura beau leur apporter des chiffres et des faits qui sont, comme on dit, têtus, ça ne mènera à rien. Ils ont un monde qui est fantasmé, et lorsqu'on leur ramène une réalité, la réalité, ils la refusent. Donc, peu importe statistiques ethniques ou pas, on ne peut pas parler avec des gens qui fantasment sur une France qui n'existe pas, mais qui continuent de clamer en disant c'était mieux avant. C'était mieux avant. Saïd, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux invités. Bonsoir Saïd, on vous écoute. Je vous appelle pour intervenir concernant le chiffre des statistiques de quand a été fait sur les prisonniers. Alors, ce qui va pas pour moi, c'est que ils ont annoncé 25%, il est 75%, c'est quoi? Ah ça, on sait pas. Ce qui nous intéresse, selon en tout cas ce courrier envoyé par Nicole Belloubet, c'est 25,81%, soit 17 500 et quelques prisonniers qui seraient de confession musulmane. Parce que quand on fait des statistiques, on fait une comparaison. Mais là, ça tient pas debout leur truc. En plus, ils ont oublié aussi de faire des statistiques au niveau de l'Assemblée nationale, en même temps. C'est-à-dire, précise ta pensée? Par exemple, on va voir combien ça représente les musulmans dans l'Assemblée nationale. C'est quoi le pourcentage? Ah là, ça risque d'être très 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 inférieur. Bah, normalement, on doit mettre le chiffre à côté. Après, on va se poser des questions, le pourquoi des choses. Donc pour toi, Saïd, ce chiffre, en tout cas, ne correspond à rien. Rappelons. Parce que normalement, dans les mathématiques, quand on fait un calcul, quand on compare à quelque chose. Mais ça, c'est vraiment, ça tient. C'est quand je vous ai dit, j'ai de l'argent dans ma poche. Bon, j'ai de l'argent, mais est-ce que c'est vraiment. Il faut faire une comparaison. Il faut une référence. Il n'y a pas de référence dans le sujet. On a bien compris, Saïd. Merci en tout cas de ton appel et de ton commentaire. À très bientôt. 01 40 33 9000. Rappelons. Quand même, c'est important de le dire, qu'elle s'appuie sur ceux qui ont demandé des menus spécifiques, des repas, des dispositions particulières pour le mois du Ramadan. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'aujourd'hui c'est Ashura et je salue tous ceux qui jeûnent aujourd'hui pour parce que le jeûne est très fortement recommandé pour Ashura. Jeûner aujourd'hui ou demain, ou non, hier et aujourd'hui, selon, en tout cas deux jours d'affilée. Ashura, donc c'est extrêmement bien suivi et apparemment ça t'efface un an de péché, donc pour l'année d'avant et l'année future, c'est plutôt pas mal comme vision. Ça t'arrange ça toi, non? Ouais. Hein, Christophe? C'est pour ça que je jeûne pas. Voilà, je reste fidèle à moi-même. 01 40 33 9000, beaucoup d'appels là encore sur le sujet, bien entendu, pour prendre part, nous donner votre avis qui nous intéresse, bien sûr, même si on a donné quelque part un peu le nôtre, le vôtre nous intéresse pour le confronter ainsi. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, cher monsieur, quel est votre prénom? Jamel. Jamel. Bonsoir, Jamel. Ça va? Bon, je passe un bonjour à tout le monde. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Mais moi, j'aurais bien voulu qu'il fasse une statistique sur qui c'est qui commet les crimes les plus crapuleux. Parce que moi, j'ai fait un séjour en prison quand j'étais jeune. Ouais. Et j'ai constaté que, bon, j'accuse personne. Mais c'est pas les musulmans et les noirs, hein. C'est les étrangers. Tout ce qui est crapuleux, tout ce qui est viol, pédophilie et tout. La statistique, il devrait le faire. Ah, mais pas mal. Mon parcours que j'ai eu, moi, sur 6 ans, j'ai très peu vu d'étrangers.
Mais en général, tout ce qui est pédophilie et viol et tout, c'est là-dessus qu'ils devraient faire les statistiques. Parce que ça, c'est des gens qui sont insoignables. Voilà. Merci Jamel pour ton ressenti. Donc tu nous disais avoir passé un petit séjour en prison et tu nous dis effectivement que pour toi les plus gros criminels, les violeurs, etc., sont pas forcément ceux que l'on attend. En l'occurrence, sont pas arabes ou noirs. On parle évidemment des violeurs qui sont très nombreux aussi en prison, les pédophiles, etc. Il y en a de plus en plus aussi dans les prisons. Un dernier appel peut-être sur ce sujet. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, salam alaikum, c'est Fatah de Paris. Fatah de Paris, bonsoir Fatah. Oui, bonsoir. Alors, moi je suis pour les statistiques, d'une manière générale. Et surtout pour la communauté, parce que comme on a... Notre problème, c'est notre manque d'organisation, notre fédération, et peut-être que les statistiques vont nous permettre de nous unifier encore plus et de nous organiser. Là, je parle sur le plan politique. C'est-à-dire, parce que ça mérite explication, Fatah. Alors, je t'explique, c'est très simple. Imaginons, on arrive à avoir des stats sur toutes les sphères de la société, c'est-à-dire le nombre de musulmans, étudiants, pas étudiants, chômeurs, pas chômeurs. T'imagines sur toutes les stats, sur tous les niveaux. À partir de là, on peut monter et s'organiser, monter un parti politique et s'appuyer sur des chiffres, sur des données concrètes. Et se dire, ok, maintenant on pèse sur le marché de l'emploi, tant de personnes. En votant, on peut avoir tant de personnes, etc., etc. Et là, on peut mettre en place notre lobbying et d'être mieux représenté. Et du coup, on s'en fiche si les chiffres sont mal utilisés ou sont utilisés au niveau politique pour nous attaquer, puisqu'ils le font déjà. Ils le font sur. Alors, Fatah, je vais demander, je vais sonder Yasser Louati là pour ta proposition. Elle est entendable, elle est recevable, Yasser? Enfin, comment dire? Bah dis, tout simplement. Ouais, en fait, bah merci pour la contribution, mais enfin, je dois, comment dire, ça exprimer un désaccord, c'est que pour commencer, quand on parle d'organisation, l'organisation se fait toujours en interne de ceux qui veulent s'organiser, c'est pas en demandant à l'État de le faire à notre place que ça finira par arriver. L'autre point, c'est que je lisais un livre sur l'antifascisme en Grande-Bretagne d'un militant connu qui s'appelle David Rosenberg, qui est un militant historique sur les mouvements antifascistes et sur la bataille de Cable Street qui a eu lieu dans les années 30. Il disait en fait que ce qui avait manqué à la communauté juive britannique, c'était des statistiques internes. Ça veut dire en fait que les synagogues établissent des statistiques sur les tranches d'âge, les professions, etc. Là, si vous parlez d'organisation, c'est pas à l'État de le faire à votre place. C'est à ceux qui s'appellent les musulmans eux-mêmes de le faire et d'établir des plateformes qui recueillent ces données pour mieux établir une analyse qui soit utile. L'autre point, quand vous dites un parti politique, enfin, sincèrement, vous voulez quoi? Un parti musulman français ou, enfin, c'est auquel cas, ce serait pour quel agenda? Est-ce que vous poussez à ce que les musulmans fassent scission en France? Moi, je vois pas de parti juif en France. Je vois pas de parti catholique en France ou protestant. Si, il y a le parti chrétien. Le parti chrétien, entre autres, c'est vrai. Justine Boutin. C'est vrai. Écoutez. Mais ils avancent pas un agenda pour les chrétiens seulement. Ils portent un agenda qui repose sur des valeurs. Par contre, encore une fois, c'est le même discours qu'on répète encore une fois et encore, c'est que tant qu'il n'y a pas de prise de conscience à l'échelle individuelle, parce qu'il y a une part de responsabilité individuelle qui est incompressible, tant qu'on ne le fait pas, ce que vous appelez, vous avez le droit, l'organisation ne verra jamais le jour malheureusement. Merci Fatah en tout cas pour ta proposition. Je suis désolé, on est pressé par la pub, mais en tout cas, ça, avec grand plaisir, on échangera peut-être dans Libertad tout à l'heure si tu le veux bien. Okay, merci, pardon Fatah, mais les impératifs. Bah oui, mais j'imagine, mais qu'est-ce que tu veux, c'est les impératifs. C'est normal. Faut mettre des sous dans la caisse, mon vieux, qu'est-ce que tu veux. Salut Fatah, à bientôt. Dans un instant, il se prépare, il est là, tel son... showman, Islem Seili, pour nous parler de Éric Zemmour et les prénoms. Soyez à l'écoute, vous pourrez réagir juste derrière. France Maghreb 2. LGF, le grand forum, mesdames, messieurs, on est là avec Yasser Louati, avec Islem Seili pour ce jeudi 20 septembre et nous recevrons Marcus dans un instant avec qui nous allons parler de Bolloré, le groupe Bolloré. Et de son appétit aiguisé concernant les terres africaines. Mais attention, de protester, ça peut peut-être vous conduire éventuellement dans des endroits justement dont on parlait il y a quelques instants, la prison. C'est ce qu'il risque, Marcus, il nous dira justement comment on tente de faire taire les militants, les vrais, les purs, les durs. À l'image d'ailleurs de peut-être Majid Messaouden qui est avec nous. Salut Majid.
Bonsoir. Bonsoir Majid. Alors Majid Messaouden qui était donc hier avec nous pour nous dire qu'aujourd'hui il passait au Grand Palais de Paris dans cette audience qui l'opposait donc aux générations identitaires. D'abord, est-ce qu'il est beau ce palais le nouveau palais de justice ? Beau, c'est un grand mot, hein. Oui. Alors Majid, qu'est-ce qui s'est passé Majid ? En fait, aujourd'hui, c'était l'audience de conciliation. En gros, le tribunal a fait le point sur les différents dossiers. En fait, ils attaquent 4 personnes pour ce motif-là. Thomas Porte, moi, un député et une autre personne. Et du coup, le tribunal a fixé l'argent, enfin la somme que doivent verser Génération Identitaire et toutes les parties civiles avant le 7 décembre, sous peine de voir la procédure annulée. Donc ça veut dire qu'ils doivent verser 11 000 euros au tribunal avant le 7 décembre. Si c'est pas versé, la procédure est annulée. Et si c'est versé, je pense d'ailleurs qu'ils les verseront. Le procès aura lieu, tenez-vous bien, le 30 et le 31 janvier 2020. Ah oui. Ah bah. 2020. D'accord, 2020 pour le ouais. Procès. D'accord. Bon bah t'es tranquille, Majid. T'as le temps. Ah tranquille. Oui et non. C'est-à-dire que ça montre bien que la justice aujourd'hui, elle est complètement surchargé, encombré, et eux, avec ce type de procès, ils l'encombrent aussi, quoi. Donc j'arrive pas, moi, à être satisfait, je reste serein et confiant, j'ai des gens qui me soutiennent, j'ai des avocats qui sont très compétents, mais ça en dit long, encore une fois, sur la stratégie de Génération Identitaire, d'attaquer toutes celles et ceux qui se battent franchement contre ce qu'ils font, quoi. Donc nous, on continuera, quoi qu'il arrive, et pendant l'année qui vient, on continuera de dénoncer leurs agissements, quels qu'ils soient, parce que je pense que pendant cette année, ils vont continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, à savoir chasser les migrants, empêcher la solidarité, et on sera en tout cas là pour les en empêcher. Majid, ils se sont déplacés, Génération Identitaire, ou ils ont envoyé leur avocat ? Non, ils ont envoyé leur avocat. Personne n'était là physiquement, à part moi. Ah oui, d'accord. Téméraire, hein. Yasser Louati qui te dit quoi ? D'ailleurs, pour commencer, salut Majid. Salut Yasser. Comment vas-tu ? Ça va, je te remercie, et toi ? Bon, le moral, bah, c'est moi qui te demande, c'est pas toi qui pose la question. C'est toi non, qui es au tribunal. Franchement, ça va. Déterminé à aller jusqu'au bout, il n'y a aucun souci. Bon, bah tant mieux. Écoute, non, je disais seulement, bah, comme d'habitude, en fait, il faut leur bévue à. Ils commettent leur bévue à distance. C'est toi qui te présentes et ceux qui viennent pas, quoi. Bah oui, non, mais c'est des lâches, hein, de toute façon, c'est des lâches. Ils sont là à se battre contre des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. Ça va chasser des étrangers dans la montagne en sachant qu'ils sont désarmés et que ce sont des cibles faciles. Donc lui, la lâcheté, ouais. C'est bien ce qui les caractérise. Absolument. Oui, ils se cachent derrière leur petit clavier, derrière leur Twitter. Tout ce qu'on appelle leur petit privilège. Oui, leur petit privilège. Donc ils doivent, on rappelle, Majid, c'est important, ils doivent verser 11 000 euros avant début décembre, c'est ça pour que le... 11 000 euros pour 4 affaires avant le 7 décembre. D'accord. Et au cas où ils ne versent pas, mais ils vont certainement trouver l'argent rapidement. Ils ont les relais pour, en tout cas. S'ils ne versent pas l'argent, tout ça est annulé. La procédure est annulée, tout à fait. Et donc, s'ils versent l'argent, l'audience, le procès aura lieu les 30 et 31 janvier 2020. Dans plus d'un an. D'accord. Bon. Eh bien, merci Majid. En espérant te voir la semaine prochaine dans le studio. Vous, merci France Maghreb. Merci à toi, Christophe. Une bise à Yasser et. En retour. C'est partagé. Salut mon Majid, à bientôt. Salut Majid. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Bon, voilà pour l'ami Majid. Bon, bah, il a le temps, hein, tranquillement. Bon, les 11 000 euros, ils vont les trouver. Hein. Ils ont les relais pour hein, Yasser, on est d'accord. Mais ça dépend, est-ce que vraiment ils voudront verser les 11 000 euros pour aller jusqu'au bout de leur plainte ? Bah, je sais pas, si vraiment ils veulent faire condamner, effectivement, oui, ils vont les verser. Après, on verra, évidemment. Peut-être que tout ça ne sera... Bon, en tout cas, je vous rappelle la question du jour avant de passer au premier avis tranché signé Estab Saïli dans un instant. Pour la première fois, Nicole Belloubet avance un chiffre précis sur le nombre de musulmans incarcérés dans les prisons françaises. Il représenterait un détenu sur 4, soit 25,81%. Rappelons que les statistiques religieuses sont interdites en France. Est-ce que la ministre, selon vous, est sortie de son rôle ? Vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Est-ce qu'on est prêt du côté de chez Monsieur Saïli ? Ouais, absolument, ouais. Bon, alors on y va et on va parler de Zemmour dans la vie tranchée jingle.
attaquer. Alors continuez-moi, allez-y. Et on va revenir plus précisément sur la polémique des prénoms avec Zemmour, Islem. Exactement, bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors bon voilà, hein, je vous l'apprends pas. Il y a une petite polémique autour des prénoms avec Monsieur Zemmour. Tiens, je peux pas m'en empêcher. Dès qu'on entend Zemmour, on est tous, oh, tu sais, ça énerve, tu vois. Quoi encore? C'est, voilà, quoi encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, alors, il est en pleine promo pour son livre. Il fait la tournée des plateaux télé, des émissions de radio, un peu comme celle-ci, hein. Ouais. Et, était face à, pas comme celle-ci, ouais. Non. Je suis pas sûr qu'il va être invité à France Maghreb, hein. Pourquoi pas? Pourtant, il est maghrébin. Et du coup, il s'est retrouvé face. Ah, pas mal. Pas mal, bien joué. Du coup, il s'est retrouvé face à Absatou, si, voilà. Et il a dit, en gros, pour être un bon français, il faudrait avoir un prénom issu du calendrier chrétien. Et moi, je connais des gens, voilà, qui à la base s'appellent Mamadou ou Rachid, qui ont changé leur prénom. Et bon, comme Eric, hein, maintenant il s'appelle Eric. Enfin, il s'est toujours appelé Eric d'ailleurs. Mais moi, il y a un truc qui me choque, c'est que, ok, tu changes de prénom, mais frérot, t'as toujours la même tête. Ça sert à rien en vrai. Et en plus d'avoir la même tête, ton nom de famille, ça reste Zemmour. Ça reste Zemmour. Mais tu sais, c'est un gros truc de blédo. Même ma mère, tu vois, qui est née en fin fond de l'Algérie, son nom de famille c'est Belaribi, qui veut dire littéralement l'arabe. Elle a dit Zemmour, ça fait blédard quand même, tu vois. Même pour nous, on trouve ça fait blédos, tu vois. Et bon, lui, il a des arguments. Il dit voilà, il faut participer à c'est des prénoms qui participent à l'histoire de France. Et ça, je suis pas d'accord. Ça m'a un petit peu énervé. Voilà, c'est avec mon petit coup de gueule, parce que je trouve que des Boubacar, des Rachid ou tout ça, ils ont aussi participé à l'histoire de France. Ils ont libéré le pays et ils ont reconstruit le pays avec des Espagnols et des Portugais. Et tout ça fait partie de l'histoire de France. Et en parlant d'histoire, on va parler un petit peu de l'histoire de Monsieur Zemmour. Hein, il vient quand même d'Algérie. Voilà, les Algériens sortaient pas les drapeaux. Il y a pas de quoi cette fois-ci, hein, vraiment. Il est né, il a grandi à Montreuil, dans le 9-3. Alors pour moi, c'est comme s'il était né et il avait grandi en Afrique, c'est la même chose, hein. Moi, si je peux me permettre de dire que j'ai déjà fait un road trip au Mali, c'est parce que je suis déjà allé au carrefour de Montreuil acheter des piles. Et tu sais, des piles de blédos, tu dois les mordre avant que ça marche, tu vois. Et lui, il nous parle comme ça de références gauloises et tout, et ça me fait rire, parce que en plus de ça, tu vois, son prénom c'est Eric, tu vois. Et Eric, c'est scandinave. Tu vois, ça vient de Suède. Il est où le Viking quand un mec vient d'Algérie et il grandit à Montreuil? C'est des trucs que je comprends pas. Mais en même temps, il était face à quelqu'un qui s'appelle Absatou. Alors Absatou, c'est pas une insulte à la République, mais moi personnellement, je trouve que ça fait nom de médicament. Voilà. Ah, vous avez une toux sèche? Absatou soigne tout, tu vois, c'est voilà. Mais bon, on a vanné Absatou, on va s'arrêter là, mais on va vanner aussi Eric, parce que Eric, on peut peut-être pas vanner son prénom, mais il en a quatre des prénoms, voilà. Ah bon? Ouais, j'ai fait mes petites recherches. Ouais, je suis au chômage, hein, j'ai le temps. Et donc, ces quatre prénoms, le premier c'est Eric, ça on le sait. Le deuxième, c'est Justin. Voilà. Ah ouais. Alors ouais, moi Justin, personnellement, ça me rappelle pas l'histoire de France, des grands rois, tout ça. Ça me fait juste penser au saucisson Justin Bridoux, tu vois. C'est-à-dire son père à Eric, tu vois, il était à fond dans l'intégration. Il a dit Justin, ouais, non, on aime bien le saucisson, ouais, bien sûr. Mais vous êtes juif, ouais, ouais, le cachet, on aime bien tout ça. Le troisième prénom, c'est Léon. Alors moi, Léon, ça me fait toujours pas penser à l'histoire de France. Ça me fait juste penser au menu à 15,90€ moule frites à volonté chez Léon de Bruxelles. Voilà. Et j'ai tapé sur Google Bruxelles, c'est même pas en France et c'est même pas à côté de la mer. Hein. Alors là, il se fout vraiment de notre gueule. Et le quatrième prénom, là, vous allez être choqués. Son quatrième prénom à Zemmour, c'est Moïse. Voilà. Ah ouais. Ouais, c'est Moïse. C'est véridique, hein. Quatrième prénom, Moïse. Et moi, tu vois, j'y réfléchis, je me suis dit, allez où l'histoire de France, tu sais, je veux dire, Moïse, il a pas ouvert la Seine en deux, tu sais. Et là, Dieu, il l'a pas fait galérer 40 ans dans le Calvados, Moïse. Et tu sais, Moïse, le prénom original, les Hébreux prononcent ça Moshe, tu vois. Donc, Moshe, bon, ça va bien avec sa tête, hein, au bout d'un moment, voilà. Oui, je vanne la tête parce que, bon, lui, il est là en train de parler physique, de référence. Ouais, c'est pas bien de parler du physique, mais il parle de référence à chaque fois gauloise. Mais j'en ai marre qu'un mec me dise qu'il est plus français que moi quand il ressemble pas du tout à Vercingétorix, il ressemble à Cheb Mami en cure de désintox, le mec. Voilà. Et bon, il s'en est pris à Absatou, mais il faut savoir que Absatou, quand même moi, je l'ai vanné, mais elle est quand même plus belle que la majorité des Miss France qu'on a eues. Et j'aimerais bien dire à Éric Zemmour, quand est-ce que tu vas t'appeler une bonne fois pour toutes Éric Dupont? Et là, tu vas être irréprochable. C'est tout pour moi. Merci, Islem. Génial. Merci. Super. Voilà. Au top. Du grand Islem pour sa rentrée, pour son retour. Bon, on va parler d'Éric Zemmour, mais dans une autre ambiance. Yasser, avec toi tout à l'heure, hein. Ouais. J'imagine, en tout cas. Bon, alors messieurs, dames, maintenant on va recevoir notre invité. On va parler donc de Bolloré. Vincent Bolloré, que vous connaissez tous, hein, il est à la tête de plusieurs grosses sociétés et surtout il est à la tête, si je ne m'abuse, du groupe Canal+, Bolloré. Tout à fait. Voilà. Bonjour Marcus. Bonjour Marcus, bon, ça va? Il est timide. Bonjour. Il a pas l'habitude. Bonjour. Oui, c'est devant un micro, hein, c'est de la radio, tranquille. D'accord, très bien. Bonsoir Marcus et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonsoir à vous, merci à vous, merci de m'avoir invité et bonjour aux auditeurs. Alors Marcus, tu as décidé de t'attaquer entre guillemets au groupe Bolloré pour son appétit aiguisé, sa soif de terre africaine.
Explique-nous un petit peu ce que tu lui reproches à Vincent Bolloré concrètement. Donc, comme tu as pu le dire, je milite. En fait, je milite tout simplement contre Bolloré et ses agissements en Afrique et en Amérique latine, parce que Bolloré, en Afrique, nous savons que il a les terres, ouais, il a les ports, mmh, et il a aussi les rails. Ouais. Et là, en l'occurrence, l'action pour laquelle je m'étais présenté à son siège à Puteaux dans 92, ouais, était parce que ce jour-là, il y avait une AG d'actionnaires. Une assemblée générale. Oui, une assemblée générale d'actionnaires pour aller leur expliquer exactement à quoi servait tout simplement leur investissement sur le continent et dans la firme Bolloré. Tu y es allé de manière pacifique en essayant d'alerter tous les membres de cette assemblée générale. Tout à fait. Tu es rentré à l'intérieur. Même pour la petite histoire, je devais même rencontrer Monsieur Bolloré, ouais, avec l'association avec laquelle je suis parti, et il s'avère que Monsieur Bolloré n'a pas voulu nous recevoir le jour de l'AG, et du coup il a appelé beaucoup de policiers. Quel a été le comité d'accueil? Une centaine de policiers, ah oui, sur place. Après, on a appelé les CRS, mais déterminés que nous étions, nous sommes restés une demi-heure, trois quarts d'heure, même une heure sur place. Combien vous étiez? Nous aussi, on était une centaine. D'accord. Et vous avez donc décidé, de manière, j'allais dire, pacifique, d'aller protester, justement, contre les agissements du groupe Bolloré, et pour dire à ses actionnaires à quoi servait leur argent. Tout à fait. Ils ne savent pas à quoi servent leur argent, ces actionnaires? Beaucoup apparemment ne le savaient pas. Donc, vous avez pu échanger avec quelques-uns d'entre eux? Oui, on a pu échanger avec quelques-uns d'entre eux. Donc, certains qui ont été très très réceptifs, et nous avons été agréablement surpris, parce que on ne pensait vraiment pas qu'on allait avoir cet accueil vis-à-vis de certains de ces actionnaires, mais il y en a d'autres qui ne voulaient vraiment rien entendre, et ceux-là, ils étaient vraiment là pour faire de l'argent et rien d'autre. Ouais. Alors il y a ceux effectivement qui sont là pour faire de l'argent sans honneur parfois, et d'autres qui veulent faire de l'argent mais un peu plus propre que les autres, on va dire. Et ça les a gênés. Est-ce que ça a eu des répercussions? Est-ce qu'il y a des actionnaires qui ont simplement revendu leurs actions, qui sont partis, qui sont barrés, quoi? Ah, après je ne saurais dire, parce que j'ai pas pu suivre, comme j'ai pu l'expliquer. À un certain moment, j'ai eu quelques problèmes. Ouais. Voilà. Quel genre de problème? Donc pour en revenir, lors de la manifestation, j'ai été tout simplement pris en chasse par des policiers. Ouais. Faisait de moi le leader de cette manifestation, alors que je ne représentais pas de parti politique ni de syndicat. Ouais. Je représentais même tout simplement moi. Et puis au final, ils m'ont pris pour le leader de l'événement, celui qui a appelé à cet événement. Et puis à un certain moment, quand je fus isolé, ils se sont jetés sur moi. Et là, j'ai commencé à courir. Ils se sont jetés sur soi. Tu as réussi à courir, à t'échapper peut-être? Oui, j'ai couru 400 mètres. Ouais. Et en fait, j'ai couru pour ne pas, pour ne pas me faire embarquer sans témoin. Ouais. Voilà, tout simplement. Donc j'ai couru pour essayer de retrouver mes camarades qui étaient un peu plus devant. Ouais. Malheureusement, ne les voyant pas, je suis revenu sur mes pas, je suis retourné là où la course-poursuite avait commencé. Et là, les policiers, ils t'ont cueilli. N'ont pas discuté, m'ont gazé, frappé, passé à tabac au sol. Et puis, pendant un moment, il y a un de leurs responsables qui passait. Et dans l'agitation, j'ai entendu ça. Il disait, oui, calmez-vous, on est à découvert. Voilà, parce que là, il y a les caméras, il y a ceci, il y a cela. Donc, ah oui, c'est voilà. Carrément le mot que tu as entendu. C'est calmez-vous, ça, on est à découvert. C'est exactement ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, garde à vue? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? De là, je me suis retrouvé au commissariat de Puteaux. Ouais. J'ai fait 48 heures de garde à vue. Ouais. Normalement, c'est 24-24, donc ils ont renouvelé. Et pendant ces 48 heures de garde à vue, j'avais les camarades militants qui, eux, étaient à l'extérieur, et je les entendais. Donc ça me donnait de la force, en fait. Ils étaient là pour te soutenir? Oui, pour me soutenir. Ouais. Pour me soutenir devant ce commissariat. Ils ont même appelé du renfort, donc des commissariats aux alentours, pour pouvoir sécuriser leur commissariat. Ils ont appelé des CRS, après. Et puis de là, je me suis retrouvé au dépôt. Là encore, devant le dépôt, il y avait encore du monde. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, je me suis retrouvé tout simplement 2 jours à la prison de Nanterre. Voilà. Donc, ça veut dire, on rappelle les faits, hein, pour ceux qui viennent nous rejoindre.
Marcus, qui est venu accompagné de quelques camarades, protester ou plutôt alerter les actionnaires lors d'une assemblée générale au siège du groupe Bolloré, ça se passe à Puteaux, sur l'agissement du groupe Bolloré et de la manière dont ils gèrent son argent et à quoi sert l'argent de ses actionnaires. C'était de manière pacifique, il n'y a pas eu d'agressivité, il n'y a pas eu de violence que vous auriez commis. Tout s'est bien fait de manière pacifique, vous avez échangé avec les actionnaires, c'est ça? Tout s'est passé correctement, il n'y a pas eu de violence. Nous avons discuté en effet avec les actionnaires. Bon, il y en a beaucoup qui étaient remontés parce que bon, ben voilà, on les empêchait de faire du business tranquille. Ouais. Et puis ben il y en a d'autres ben qui étaient beaucoup plus réceptifs, qui ont cherché à comprendre et même qui ont soutenu parce que ben, pendant un moment, j'étais en train de parler avec ben justement un actionnaire. Ouais. Quand il y a trois policiers qui sont venus vers moi et m'ont demandé tout simplement de dégager. Ils m'ont dit clairement, monsieur, vous dégagez, vous n'avez rien à faire ici. Et là, l'actionnaire de Bolloré lui-même a pris ma défense, m'a dit, mais monsieur, je suis en train de parler avec ce jeune homme, nous parlons très bien. Et là, le policier lui a demandé, mais qui vous êtes-vous? Il a dit, ben moi, je suis tout simplement un actionnaire de Bolloré. Et là, le policier ben, a changé son discours, tout simplement. Et puis ben, après, il nous a laissé parler. Et puis à un certain moment, ça les a énervés, agacés. Ils sont venus à 3, 4, m'ont pris et m'ont tout simplement viré. Ils ont agi sous ordre, d'après toi, Marcus? Les policiers? Je ne saurais dire, franchement, parce que où j'étais, ben voilà, hein, ils sont venus, m'ont pris. Après, il y a un policier, lui, qui n'a même pas cherché à discuter, quoi. Il est venu, m'a mis une tarte. Bon, ben, ouais. J'étais surpris. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce pays, en France, quand on a des choses à faire entendre, à faire valoir, et de manière pacifique, rappelons-le, et je rappelle que cette méthode n'est pas isolée. Je pense, par exemple, en tant que journaliste, à Élise Lucet, qui l'a fait régulièrement. Je crois même, d'ailleurs, dans une assemblée générale de Bolloré, et de Carrefour et d'autres. Aujourd'hui, on peut se retrouver en prison quand on s'appelle Marcus, quand on a des choses à faire valoir, des arguments à faire entendre aux actionnaires, on se retrouve en prison. Ça en dit long quand même sur la manière dont on traite les militants. Il fait pas bon d'être militant, Yasser Louati, dans ce pays aujourd'hui. Bah, c'est toujours encore. Enfin, ce qui est quand même problématique, c'est que la police est intervenue à la demande de Bolloré. Ouais. Et que Marcus n'a pas commis d'acte de violence, que la violence est venue de la part de la police. D'où ma question, est-ce qu'ils ont agi sur ordre ou sur demande? Oui, ils ont agi sur demande de Bolloré, de Vincent Bolloré, qui a demandé de vous dégager, en fait. Marcus. Honnêtement, je ne saurais dire. Voilà, c'est pas que je ne veux pas mouiller, mais je vous dis, si j'avais eu cette information, j'aurais pas hésité à vous le dire clairement, que oui, ça vient de Bolloré. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui m'est reproché, c'est que des violences. Mais on peut, comment dire, laisser comprendre que c'est parce que, ben voilà, tout simplement, on a fait cette action, on a dérangé, et que, bon, ben il faut absolument que ben, quelqu'un porte le chapeau. Qu'est-ce qui s'est passé après, à l'issue des deux jours de prison à la prison de Nanterre? On se retrouve en prison pour aller. Non, mais c'est hallucinant quand même. Qu'est-ce qui s'est passé après pour toi, Marcus? Donc après. On t'a relâché? Lorsque. Oh, même pas. Lorsque, ben, je suis sorti de cette prison, j'ai été extrait. Pour être jugé. Ah. Donc je suis parti au tribunal de Nanterre. En comparution immédiate. En comparution immédiate, tout ouais. À fait. Donc arrivé là-bas, la comparution immédiate, je vois l'avocat. Commis d'office? Non, pas, choisi. Oui, une avocat choisi, voilà. Très bien. Donc on se met, enfin, on échange, voilà, sur l'affaire. Je me présente dans la salle d'audience. Là encore. Ben, il y avait ben, tous les soutiens qui m'ont soutenu depuis 5 jours qui étaient là, qui m'attendaient devant le tribunal, dans la salle et dans le couloir. Et du coup, ben, pour ne pas que les gens puissent rentrer, on a appelé des CRS pour les empêcher de ben, tout simplement de venir soutenir, quoi. Ouais, ouais. Voilà, pour leur interdire l'accès à la salle d'audience, tout simplement. Quelque chose qui est censé être public, ben là, beaucoup n'ont pas pu y assister parce que... Ben, parce qu'ils en avaient décidé autrement. C'est ça, tout à ouais. Fait. Alors, qu'est-ce qui s'est tout passé lors de cette séance d'audience? Donc après, ben, lorsque je suis arrivé pour me faire juger, oui. Les policiers donc m'ont reproché des choses. Oui. Et je le dis encore ici, aujourd'hui, sur France Maghreb 2, que les choses que ces policiers m'ont reproché, mais je n'ai pas fait même... un millième de ce qui de ce qu'on ils en ont rajouté tout simplement ouais. Ils ont même inventé tout simplement ouais. Donc il y a un policier qui a eu 5 jours d'ITT à outrage à agent voilà outrage ouais.
rébellion, outrage rébellion. Et il y a un policier qui a eu 5 jours. Et il y en a un autre qui se dit avoir reçu 5 coups de pied sur le talon, enfin 5 coups de pied sur le tibia. Et ben, ne pas avoir bougé, mais voilà, avoir pris ça. En fait, c'est toi qui as pris les coups et c'est eux qui disent les avoir pris, quoi. Tout à fait, mais bon, c'est comment dire, c'est quelque chose dont on, ben, dont on a l'habitude de voir. L'habitude, hein, absolument, voilà. C'est ça. Donc, malheureusement. C'est surprenant, parce que ben, lorsque il cogne un peu trop fort, ben, derrière, il faut bien justifier. Voilà, tout ce qu'ils vont me reprocher, quoi, parce que moi, j'ai pas le droit. En tout cas, pour eux, de me défendre. Ouais. Parce que c'est dingue, c'est que il a été quand même été condamné sur la base de capture d'écran d'une vidéo qui n'a jamais été produite pendant le tribunal. Ça veut dire que la vidéo qui pourrait en fait le disculper, on refuse de la produire. Par contre, on va prendre en photo les séquences qui vont dans le sens de l'accusation de la police. Évidemment. Et ça, faut le souligner. La vidéo qu'ils disent avoir et détenir n'a pas été publiée. Pourtant, c'est commun, ça. Quand il y a des vidéos, on les publie lors du procès, du jugement, quoi. C'est la moindre des choses. Effectivement, pour que chacun puisse se rendre compte des choses. Qu'est-ce qui s'est passé donc à l'issue de cette séance? À l'issue de cette séance, donc le procureur a demandé 6 mois de prison ferme. Ouais. Et puis 1500 euros de dommages moyens et intérêts pour les policiers, plus leurs frais d'avocat. Et du coup, le juge n'a fait que suivre tout ce que le procureur a demandé, tout simplement. Donc, comment faire taire la parole dissidente, quoi. Et donc tu es retourné en prison? Donc j'ai été condamné à 6 mois ferme de prison et 1500 euros d'amende. Mais je suis retourné en prison pour récupérer mes affaires. D'accord. Et dans la soirée, aux alentours de 22h, 23h, j'ai été relâché. Mais avec une condamnation de 6 mois ferme et 1500 euros d'amende, à laquelle j'ai fait appel. Oui. Et du coup, il y a combien de temps c'était combien déjà? Trop mémoire. Voilà que j'ai oublié. Il y a quelques mois, j'ai été jugé pour cette affaire là au mois de. En appel, qu'est-ce que ça a donné? En appel, ça a été la décision a été reconfirmée. Ouais. Et j'ai été invité à dédommager là encore les frais d'avocat, donc la peine, le dédommagement et intérêt a augmenté parce que je dois donner 400 euros supplémentaires en plus des 1500, des 1500 euros, un truc comme ça. Mais la prison ferme, tu la feras pas? Si, parce que là en fait aujourd'hui, j'ai là encore fait appel. Oui. Parce que eux, leur but, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, leur projet, c'est de m'enfermer, tout simplement. Et je pèse pas mes mots quand je dis ça parce que il n'y a pas de preuves contre moi, mais on a réussi à me condamner à 6 mois ferme, premièrement. Deuxièmement, lorsque le juge à la cour d'appel a motivé la condamnation, il a écrit noir sur blanc sur la décision de justice qu'une peine aménageable, donc aménagée par des tiges ou des amendes, ne me servira pas de leçon. Donc, il y a une volonté de t'envoyer en prison pour qu'on te punisse, quoi. Tout à fait. Ouais. Donc tu risques encore aujourd'hui, bien que tu aies fait appel, si c'est confirmé en tout cas, encore une fois, d'aller et de retourner en prison. C'est ça, tout à fait. Donc aujourd'hui en France, on peut se retrouver en prison, être condamné à des amendes et à une peine de prison parce qu'on va militer, parce qu'on va, essayer... Et pacifiquement en plus. Je veux dire, c'est pacifiquement. Il n'y a pas été avec un pavé à la main, il y a été pacifiquement. C'est la police qui le tabasse. C'est la police qui se plaint et c'est lui qui va en prison. J'ai une question à te poser, Marcus. Ça sera pour moi la seule. Est-ce qu'il y a une volonté de faire taire les militants dans ce pays, d'après toi? D'où qu'ils viennent? Donc, ce sujet, il y a beaucoup à dire. Et je dirais que on est en France. Voilà, je rappelle où je me situe. En France, dans le pays, j'ai bien dit, dans le pays des droits de l'homme. Et aujourd'hui, je constate que ceux qui ont des choses à dire, ou en tout cas des revendications à faire passer ou à faire entendre, France
France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Islem Seydi et son avis tranché remarqué, remarquable nouvelle fois. Ouais, non, c'est sympa. Franchement, tu nous as fait un avis tranché comme on aime, avec pas mal de petites vannes, de petites punchlines. On a quand même appris grâce à toi qu'à Montreuil il y avait plus d'habitants maliens qu'au Mali. Ouais. Hein, ouais, ça c'est une petite vanne, mais bon. Bah, c'est vrai que c'est ce qui se dit. En même temps, même les habitants de Montreuil le disent. Hein. Okay. Donc tranquille. Mais c'est vrai que quand tu vas à Mairie de Montreuil, voilà, t'as l'impression d'être à Bamako. Bah, mais t'as c'est voyagé, cool. T'as voyagé. Ah ouais. T'as pas, t'as pas besoin d'aller si loin. Pas besoin de passeport, mon frère. Tu vas à Bamako. À Bamako, Mairie de Montreuil, c'est mortel. En plus, tu manges les meilleurs mafés du monde là-bas. Comment? Je suis plutôt tchèb, moi. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Bon, alors justement, puisque tu parles, Yasser, ça va être à toi de jouer, mon ami. On a parlé tout à l'heure de Éric Zemmour avec les prénoms. On va parler peut-être d'une autre manière, d'un autre axe de Éric Zemmour. Comment le combattre? C'est la vie tranchée de Yasser Louati. Jingle. Allez, la question est toute posée et Yasser Louati va peut-être essayer de nous apporter une réponse concernant Éric Zemmour et peut-être le moyen de le combattre, Yasser Louati. Le combattre, lui, ou son système et ce qu'il porte, bien sûr. Alors, depuis des années, le phénomène Zemmour parade sur les plateaux télé, radio, s'étale dans les colonnes du Figaro de Valeurs Actuelles, écrit des livres et se fait publier par Albin Michel en toute impunité. Oui, il a été condamné. Et alors, le personnage est toujours là et envoie un message clair. Tant qu'on s'en prend aux Noirs, aux Arabes, aux Roms et plus communément ceux qu'on appelle les musulmans, c'est pas grave. Il faut se rappeler que Zemmour n'est devenu Zemmour que grâce aux services publics financés par nos impôts. 5 ans sur « On n'est pas couché avec Laurent Ruquier » et des années de couverture positive dans la presse subventionnée, encore une fois, par nos impôts, ont fait de lui une figure banale. Éric Zemmour n'est en fait que le produit le plus rentable d'un réseau de convergence entre les militants pro-israéliens d'un côté et l'extrême droite de l'autre. Si vous vous souvenez de ma chronique « Être sioniste, c'est être antisémite », vous vous souviendrez aussi d'un certain Hillel Weiss qui théorisait le rapprochement entre Israël et les mouvements néo-nazis d'Europe afin de rendre impossible la création d'un État palestinien indépendant. Ce n'est donc pas une surprise, en tout cas me concernant, de voir les militants pro-israéliens comme Gilles William Godnadel défendre Florian Philippot ou encore le président du CRIF déclarer que Marine Le Pen est irréprochable. Cette convergence entre sionisme et extrême droite s'illustre aujourd'hui avec le cas Zemmour ou d'autres qui partagent les mêmes idées. Mais le problème de fond, ce n'est pas tant le personnage Zemmour, mais le système qui le porte et se charge de sa promotion. Pour commencer, le service public est parmi les premiers responsables dans l'émergence et la normalisation des discours d'Éric Zemmour. Personne au sein du CSA ou du ministère de la Culture ne s'est empressé de mettre fin à ces apparitions financées aux frais du contribuable, ni à conditionner le versement de subventions au Figaro, par exemple, à la non-propagation de thèses racistes. Le soutien implicite du CSA et du ministère de la Culture sont tels que les provocations de Zemmour sont devenues prévisibles et je comprends le dégoût et le sentiment d'injustice partagé par beaucoup. Pourtant, on continue à l'inviter et à lui tendre un micro sous couvert de « Accrochez-vous, liberté d'expression » ou pour combattre ce qu'on appelle le « politiquement correct ». Dans ce cas, et Dieu sait combien je combats leur thèse, pourquoi ne pas inviter Alain Soral? Pourquoi ne pas inviter Dieudonné? Allez jusqu'au bout de votre logique, dites donc. Ou bien, cette liberté d'expression n'est-elle bienvenue que lorsque elle provoque un buzz sur le dos de ceux qu'on appelle encore une fois les musulmans, les noirs, les arabes, les roms? C'est donc avec ce deux poids deux mesures qu'on alimente les théories les plus... Bref, je n'ai pas de mots, qui foisonnent sur le net. Par ailleurs, et pour faire suite à la polémique actuelle, si Zemmour prétend aimer la France avec tant de violence et que pour lui, s'appeler Absatou est une insulte à la France, rappelons-lui que ceux qui ont violé la France et l'ont vendu à l'occupant nazi ne s'appelaient pas Mamadou, Mohamed ou Filali, mais plutôt Philippe, comme le maréchal Pétain, Pierre Laval qui avait déclaré, je cite, « Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le bolchevisme s'installerait partout » ou encore René Bousquet, père de la police nationale et donneur d'ordre zélé dans la déportation des juifs. Personne n'est dupe. La seule insulte qui est faite à la France, c'est de lui faire croire qu'une élite qui a collaboré hier avec Hitler a le droit aujourd'hui de donner des leçons de morale sur l'amour de la France en laissant leur idiot utile, Éric Zemmour, faire le sale boulot. Gardons une chose à l'esprit.
Si Zemmour ou je ne sais quel autre polémiste sont invités malgré l'évidente imposture qu'ils représentent, s'ils sont invités malgré leur condamnation par la justice, comme c'est le cas de Zemmour, c'est parce que ceux qui les invitent tirent profit de leur provocation raciste et qu'ils n'ont absolument rien à craindre. Il suffit de voir la rédaction de Thierry Ardisson pour s'en rendre compte. Comme le rappelle Daniel Schneiderman dans son papier du 19 septembre, un certain Stéphane Simon est coproducteur de l'émission « Les Terriens du Dimanche » avec Thierry Ardisson. Ce même Stéphane Simon est aussi actionnaire du site d'extrême droite La France Libre, où l'on retrouve, encore une fois, Gilles William Golnadel, Nadine Morano, mais aussi et surtout une autre plume de l'extrême droite, le franco-libanais André Berkoff. Et qui est donc la vedette de ce site? Vous l'aurez deviné, Éric Zemmour. Traiter ce dernier de raciste et de misogyne ne servira absolument à rien. Au mieux, on vous répondra « Cessez donc votre victimisation ». Au pire, on vous répondra « Oui, et alors ?» Le réseau Zemmour n'est pas différent de n'importe quel autre réseau qui lui ressemble, qui porte une Fourest ou un BHL, un Pascal Pro ou encore un certain Yvan Rioufol. Un réseau, ça se structure, ça se finance, ça s'entretient, ça a des alliés et ça converge avec d'autres réseaux. Posons-nous donc les bonnes questions. Qui sont les idéologues qui ont pris Zemmour sous leur aile? Qui les finance? Des fondations? Des hommes d'affaires? Des grandes familles? Reçoivent-ils de l'argent de l'étranger? Et si c'est le cas, en échange de quelle contrepartie? Quels sont les relais médiatiques, politiques, institutionnels? Qui leur ouvre les portes des grandes chaînes et pourquoi? Qui leur ouvre les salles de réunion des partis politiques et leurs événements? Qui les protège au sein du service public pour leur laisser un accès inconditionnel ou continuer de verser des subventions aux journaux qui publient leurs thèses racistes? Quelles sont leurs chambres d'écho, les militants qui les soutiennent à l'échelle locale et nationale? Quels sont les liens entre les uns et les autres? Toutes ces questions méritent des réponses factuelles qui, en retour, serviront non pas à combattre le personnage Zemmour, mais à exposer, démanteler et neutraliser le réseau qui le porte et mène ce pays vers une nouvelle catastrophe. Aucune autorité de régulation ne fera son travail si nous, citoyens, refusons de les obliger à le faire. Lorsqu'il deviendra beaucoup trop risqué économiquement et politiquement de faire venir Zemmour et ses semblables, vous verrez, ces institutions finiront par intervenir. Je termine. Encore une fois, il ne faut pas jeter la pierre à ceux qui agissent et qui sont debout dans la promotion et leur défense de leurs intérêts particuliers, mais à ceux qui sacrifient l'intérêt commun sur l'autel de l'apathie. Merci Yasser Louati pour cet avis tranché. Islem, c'est pas vraiment le même angle que toi. Pas du tout, non. Mais ton avis peut-être sur ces informations que finalement Yasser nous révèle. Donc selon toi, Yasser, Zemmour ferait partie d'un réseau bel et bien organisé pour ayant comme pour but peut-être de créer un certain chaos dans ce pays avec la complicité des médias. Enfin, si j'ai bien compris, hein. En fait, c'est que le point de départ, c'est la convergence entre extrême droite et réseau pro-israélien. Et donc, cette convergence fait en sorte qu'ils se soutiennent mutuellement et font la promotion de personnages communs. On voit bien que Golnadel est partout sur les médias, exact, entre guillemets, conservateurs, qu'il défend le Front National, que le CRIF porte maintenant au nu le Front National parce qu'il a troqué l'antisémitisme pour l'islamophobie. Mais encore une fois, il faut revenir à la thèse initiale de Hillel Weiss. C'est en fait, et pour rendre impossible toute émergence d'un État palestinien, il faut détruire en Europe et en Amérique du Nord ceux qui sont perçus comme leurs alliés naturels, à savoir les enfants de l'immigration postcoloniale. Mon ami Islem, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais moi, comme toi, j'ai appris des choses sur le texte de Yasser. C'est excellent, mais moi, ce que je retiens quand même, enfin, moi, ce sera pour le côté humour, c'est que Zemmour, comme il a dit, il arrive à réunir des mecs d'extrême droite et des mecs d'Israël, enfin, des juifs, quoi. Non, ça, pas des juifs, des sionistes. Des sionistes. Bon. Faut bien différencier entre sionisme et judaïsme. D'ailleurs, les premiers antisémites sont les sionistes. Bah, finalement, c'est un pont quand même, hein, entre comme l'était un certain Tariq Ramadan. Non, en fait, ce qu'il faut d'abord dire, à un moment, faut arrêter de dire c'est inacceptable. D'abord, pour commencer, j'ai pas vu une défense de Absatoussi à la hauteur. Je suis désolé, elle a été insultée sur un média quand même de poids, sur Canal+. Elle a été insultée parce qu'elle est femme, parce qu'elle est noire, parce qu'elle s'appelle Absatou. Et moi, je n'ai vu aucune féministe, enfin, ce qu'on appelle le féminisme mainstream, prendre sa défense et attaquer frontalement Thierry Ardisson ou Éric Zemmour. Il y avait Natacha Polony sur le plateau. Elle s'en est pas tant offusquée que ça. En même temps, je vois la réaction de Thierry Ardisson. Mais franchement, on peut avoir que du mépris pour le personnage. Il révèle l'information comme quoi elle serait en difficulté financière.
et qu'on lui a rendu service en l'invitant et en lui faisant une avance pour qu'elle puisse payer ses impôts. Et il lui dit en gros, bon allez, tu reviens dans un bon esprit ou tu reviens pas. Donc en gros, avale l'insulte raciste ou sinon tu ne reviens plus. Il faut se poser la question, pourquoi ? C'est parce qu'il y a bien un sentiment d'impunité qui est là et qui est nourri. Je suis désolé, Zemmour, ce n'est que la partie émergente de tous ces réseaux-là qui travaillent ensemble. Mais Absatoussi, alors je sais pas, je n'ai pas fait la recherche personnellement, mais dans des commentaires que j'ai pu voir justement quand on parlait de cette affaire sur Facebook et sur des réseaux communautaires, on disait ouais, c'est bien fait pour elle, de toute façon elle a eu des propos anti-voile, elle aussi elle, c'est une islamophobe. T'as eu l'occasion de voir ça, mon cher Yasser ? Non, j'en ai pas vu. Bon, j'ai pas vu non plus, mais même peu importe ses propos, c'est le symbole qu'on a attaqué et qu'elle représentait. Donc à ce moment-là, il faut la défendre. Donc en gros, on va condamner le racisme et la misogynie à condition que des personnes soient d'accord avec nous à 100%. Voilà, non, ouais. C'est complètement stupide comme approche. Mais ça existe. C'est le type de commentaire qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux. Tout pour faire un monde. Ouais. Dans ce cas-là, tu préfères t'allier avec Zemmour qu'avec Absatoussi parce qu'elle est pas d'accord avec le. Non, mais c'est pas. Mais alors, par contre, là où je suis très interpellé par ton argument. Yasser, et je suis même d'ailleurs très étonné que ceux qui défendent ardemment la liberté d'expression et insistent pour que Zemmour puisse parler, on est d'accord, allons-y, mais allons jusqu'au bout. Nous ne voulons pas d'une liberté à géométrie variable. À ce moment-là, on laisse parler Alain Soral et Dieudonné qui ont été bâillonnés, à qui on a fermé la porte de tous les médias, et ce même Ardisson d'ailleurs lui avait dit en face, je crois, dans l'émission Tout le monde en parle, c'est la dernière fois que je vous invite parce que vous avez des propos antisémites, etc. Blablabla, blablabla. Aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Dieudonné n'est pas le problème, également Soral. Mais à ce moment-là, pourquoi ces deux personnages, en l'occurrence, pour ne reprendre qu'eux, n'auraient pas le droit de s'exprimer dans les médias ? À quel titre ? Et c'est pour ça qu'il faut remplacer ce concept fallacieux de liberté d'expression par privilège d'expression. Parce que tant que ces discours-là alimentent le discours dominant, ils sont les bienvenus. Par contre, si c'est un discours qui va contre le discours dominant, là, ça pose problème. Et on revient encore une fois, que ce soit Charlie Hebdo, que ce soit Zemmour, que ce soit BHL, etc. En fait, la liberté d'expression, ce n'est pas une liberté universelle ou un droit ou un acquis universel pour toutes et tous. C'est un privilège pour le groupe dominant. Point barre. Si maintenant on va contre ses intérêts ou contre ses théories, dans ce cas-là, on se retrouve facilement bâillonné. Bon, alors, Marcus, si t'as un petit commentaire à faire, n'hésite pas, sur ce avis tranché de Yasser Louati que t'as écouté. T'as suivi un peu l'affaire Zemmour ? Oui, j'ai aperçu en fait sur lui, il a le droit d'insulter les gens, il va pas en prison, hein. Tout va bien. Ouais, c'est. Toi, t'as été juste protesté au groupe Bolloré, tu t'es retrouvé en zone. En Heps. Non, il a été tabassé et il est parti en prison. Il est parti en prison, il a fait 2 jours de prison, nous a-t-il dit. T'as été au Heps et tu risques d'y retourner, puisqu'on t'a condamné, rappelons-le, à 6 mois ferme. 6 mois ferme, c'est bien. Et plus de 1 500 € d'amende, de dommages et intérêts envers les policiers, ceux-là même qui t'ont tabassé. C'est ça, tout à fait. Et insulté. Donc, c'est monté à maintenant plus de 2 000 € des dédommagements et intérêts pour ces policiers. Et. Voilà, donc la prochaine. C'est quand la prochaine audience ? Prochainement, cassation. Donc, Cour de cassation, parce que ben, forcément, dans ma jeunesse, je me prenais pas trop la tête avec tout ça. Hein. Ouais. Donc, je laissais les condamnations. Aujourd'hui, trop c'est trop. On veut plus se faire condamner pour tout et n'importe quoi. Bien sûr. Du coup, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Ouais. Voilà, jusqu'au bout. Mais quand je dis jusqu'au bout, et s'il le faut, j'irai jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et si je peux encore aller même plus loin, même si je sais qu'il n'y a pas de juridiction. J'irai. Voilà, en gros, pour dire que je suis déterminé tous les droits. À aller, voilà, à aller clamer mon innocence, ben, jusqu'à où je pourrais. Mais dans ce cas-là, voilà. Christophe, Marcus, de quoi as-tu besoin ? De quoi j'ai besoin ? Ben, tout simplement, ce que j'ai toujours eu, du soutien des militants et même ceux qui ne militent pas, de personnes épris de paix et de justice, tout simplement, hein, qui assistent à cette injustice. Et voilà, tout simplement me soutenir. Et l'avocate, qu'est-ce qu'elle dit ? L'avocat me dit tout simplement que... L'avocat ou l'avocate ? Oui, l'avocat, parce qu'au début j'ai commencé avec... Oui. Donc l'avocat me dit tout simplement, nous pouvons aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme et nous aurons gain de cause et nous ferons condamner... Il est confiant, ça veut dire qu'il est confiant. Ah, il est confiant. Oui, comme ça a déjà été le cas d'ailleurs que la France a été condamnée à plusieurs reprises. Hein. La France est le pays le plus condamné d'Europe vis-à-vis des droits de l'homme.
Il est beau ce pays des droits de l'homme. Bah, en tout cas, est-ce qu'il y a par exemple, je sais pas, une page Facebook ou quelque chose où on te, pour te soutenir, te suivre, donc, Marcus? En effet, merci. Il y a une page Facebook qui a été faite par les camarades lors de ma détention. Ouais. Du nom de Libéré Marcus. Libéré Marcus. Libéré Marcus sur Facebook. Allez, on lance le hashtag Libéré Marcus sur Twitter. Marcus, hein. Voilà. C'est ça. Libéré Marcus. Et puis après, là prochainement, avec le comité de soutien, nous allons organiser, un apéro pour récolter des fonds afin de pouvoir il y a des choses que je dois pas dire. C'est sa défense. Oui, c'est ça. Afin de. Bon, ce que je te propose, Marcus, histoire de peut-être pas en dire trop, parce qu'il y a peut-être des choses qu'il faut pas dire, etc. C'est d'aller suivre la page Facebook Libéré Marcus et il y aura des informations. Pour les frais de justice. Pour les frais de justice, évidemment. Justice, ça coûte très cher. C'est ça. Marcus, ce qu'il est important de conseiller aux gens, c'est d'aller suivre donc la page Facebook Libéré Marcus et il y aura, je suppose, des informations en temps et en heure mise sur la page et les gens seront informés comme il se doit. L'important donc c'est d'aller se rapprocher et c'est quelque part aussi non seulement un soutien mais c'est aussi quelque part une preuve de militantisme que d'aller soutenir des gens qui militent et qui risquent, j'allais dire, leur vie hein, parce il faut savoir à qui profite ce militantisme, enfin la misère structurelle organisée en Afrique. Ouais. Vous avez le continent le plus riche qui se retrouve sous domination des multinationales occidentales et sa population n'a pas à boire et à manger. Et le groupe Bolloré traverse la Méditerranée très à très périls. Voilà. Alors Marcus, bouge pas, il reste avec nous. T'es un petit peu timide, Marcus, hein. Mais ça va, ça s'est bien passé. Pas timide, mais bon. Non, mais c'est la radio. Un petit peu, quand même. Ah bon, non, c'est la radio. T'as été encore plus timide vis-à-vis de ceux qui t'ont tabassé. C'est pas possible. Non, c'est autre chose, ça. C'est pas possible, hein. J'imagine. Bon, allez, voici le zapping, mesdames, messieurs. C'est les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio et sur le net. Allô, quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, trois jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée, parce qu'elle est libre. C'est ça, la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Et des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Le zapping, donc, avec ce super jingle, bien sûr, qu'on aime tant, qui commence justement sur la polémique Zemmour. Toujours et encore invité à réagir, Yacine Bellatar. Emploie des mots forts et puissants à l'encontre d'Éric Zemmour et de tous ceux qui le soutiennent. Écoutez. Alors Zemmour me fait pas rire du tout. Vraiment, je vais vous dire quelque chose et il pourra porter plainte derrière. Vous savez, il y a quelques années en France, il y a une chanson des Berruriers Noirs qui disait « La jeunesse emmerde le Front National ». Moi, Yacine Bellatar, j'emmerde Éric Zemmour, que ça soit très clair. Et la jeunesse emmerde Éric Zemmour. Le quotidien des Français emmerde Éric Zemmour. Il faut qu'à un moment, les gens qui font les chaînes de télé emmerdent Éric Zemmour. Parce qu'à un moment, les gens qui ont fait fortune lors de la ruée vers l'or, c'est pas les gens qui ont trouvé de l'or, c'est les vendeurs de pioches. Et donc aujourd'hui, la réalité, c'est ça interroge notre système médiatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de tendresse pour Thierry Ardisson. Je pense qu'il a bien fait de le recadrer et de monter son émission. Si l'émission qui est passée dimanche n'avait pas été montée, je pense qu'on aurait entendu quelque chose, digne, pardon de vous dire ça, mais très certainement des pires heures de l'histoire de ce pays. C'est-à-dire que quand on finit par reprocher à quelqu'un sa culture et sa religion, ça rappelle une histoire de France qui est totalement inadmissible. Pour aller plus loin, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis plus français que la norme. Moi, mes grands-parents, mon grand-père, il a fait 17 ans dans l'armée française. Mes oncles sont morts en captivité en Allemagne. Quand les grands-parents d'Éric Zemmour devaient être en train de boire un jus d'orange du côté de Montreuil. Il n'est pas français. C'est lui qui n'est pas français. Et aujourd'hui, vous recevez des gens, à longueur de temps, qui sont en psychanalyse permanente sur c'est quoi être français pour eux. Éric Zemmour, Finkielkraut, c'est eux qui ne comprennent pas le fait d'être français. Quand j'entends pire que ça, de dire que l'équipe de France, c'était chez vous, l'équipe de France, elle représente pas les Français parce qu'il y a des Noirs et des Arabes, mais là, on marche dans un délire, c'est-à-dire qu'il a même fini par dire que Karim Benzema était là à Nice-Nar. Ce n'est pas vrai, Karim Benzema n'était même pas là dans le bus de Nice-Nar. Mais ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est que, et je dis ça, c'est un avertissement pour les artistes, parce qu'ils ont Twitter. Moi j'ai lancé « Merde Éric Zemmour », hashtag « Merde Éric Zemmour », vous pouvez le relayer, il faut lui polluer sa vie. Parce qu'aujourd'hui les artistes, ils viennent sur vos plateaux télé pour vendre des films, pour vendre n'importe quoi. Ils n'aiment pas s'engager. Hein. Et ben là, c'est le moment, à un moment, de dire, on peut pas demander aux Français d'aller voir nos films et derrière de ne pas s'engager quand un mec fait ça. Voilà, Yacine Bellatar. Alors, il y a beaucoup de choses, ça va un petit peu dans tous les sens pour Yacine Bellatar. Yasser, il y a des choses à retenir, peut-être, là-dedans?
Enfin, oui, bon, Yacine, on lui connaît sa verve habituelle, mais bon, je suis pas d'accord avec 40% de ce qu'il dit. Quand il dit oui, j'ai une tendresse particulière pour Thierry Ardisson, je suis désolé, Thierry Ardisson est parmi les architectes de la banalisation du racisme en France. Son émission, tout le monde en parle, c'était le clash permanent entre musulmans et sionistes sur son émission. On avait tous les racistes de tous les bords qui venaient pour verser leur haine. On sait que son émission sur Canal Plus est une plateforme habituelle pour faire. Sur pour, C8 maintenant. Sur C8, voilà, enfin bref. Thierry Ardisson, va son CV, il parle pour lui. L'autre point, c'est surenchère. Oui, je suis plus français qu'un tel. Enfin bref, on est français, point barre, et on regarde vers l'avant. L'autre point, quand il parle des artistes, mais non, mais un artiste, quand il a son producteur qui est de mèche avec les réseaux Zemmour ou BHL, il va faire quoi? Bien sûr qu'il va se taire, c'est pour ça que les artistes ont peur de s'engager, parce que c'est leur gagne-pain, etc. Il y a un moment, il faut revoir l'approche qu'on adopte, et il faut démonter un système qui est pérenne. Et ce système-là, il s'est structuré, il s'est organisé, et tant que nous, on n'est pas encore plus radicaux qu'eux dans leur approche, ben on continuera à avoir des dominants et des dominés. Et malheureusement, Yacine Bellatar, il vise juste, quand il critique Zemmour pour ses propos, etc., et son imposture, mais pour moi, l'approche est complètement à côté de la plaque, c'est limite bisounours. Et est-ce qu'on emmerde Éric Zemmour et Islam? Bah ouais, quand même. Bah franchement, ça, croyez-moi, ce soir, il dormira tranquille. Mais en plus, il est même pas sur Twitter, donc vous allez même pas lui polluer. Non, mais voilà, fou, hein. Enfin, si on pense qu'on va faire la révolution à base de hashtag, et moi, faut arrêter, quoi. Ouais. Là, même si on pollue, de toute manière, comme t'as dit, hein, son livre, il en seconde deuxième position à des ventes. De vente sur Amazon. Voilà. Posez-vous des questions. Encore une fois, comment ça se fait qu'il vend des livres? Comment ça se fait qu'il est publié? Comment ça se fait qu'il est invité, encore une fois, en toute impunité? Ouais. Je lisais, les propos, enfin, non, je voyais la vidéo d'Absat aussi. Non, c'était un papier. Bref, il est parti en ricanant. Ouais. En ricanant, quoi. Il savait pertinemment ce qu'il avait, la boule puante qu'il avait lancée. Il connaissait les effets et il est parti. C'est bon, j'ai accompli le contrat. Bon, Yasser, tu as des enfants, moi aussi. Islam, pas encore. Non. Pas à moins qu'on sache pas. Non, mais non, pas non, encore, non, visiblement. T'es au courant, il y a rien. Je sais pas, voilà. Mais en tout cas, si tu suis ça après, la télé-réalité qui inonde les écrans, notamment à partir de 17h, c'est à partir du moment où les enfants rentrent à l'école, ça se multiplie, hein, sur ces W9, C8 et compagnie. Ouais. Eh ben, je vous propose, un petit extrait de ce que nos enfants peuvent regarder le soir en rentrant à la maison. Pas le mien, hein, je te précise. Écoutez ce que ça donne, ça vole vraiment pas haut, la télé-réalité version française. Fête de fêter Noël ici aux Caraïbes, on s'est embrassé pour la première fois aux Caraïbes. On n'est pas encore aux Caraïbes ici, bébé. Mais c'est bien, aux Caraïbes, c'est la même chose. Mais non, dans Guadeloupe, Caraïbes, c'est un pays. Mais pas du tout, Caraïbes, c'est un. Genre. Je sais pas comment on explique ça. Comme l'Europe. Oui, voilà. Les Caraïbes, c'est comme l'Europe, les gars. Vous le savez maintenant, hein, on est en Guadeloupe, on n'est pas aux Caraïbes. Exactement, ok. Voilà, c'est la télé-réalité. Et encore là, je vous ai choisi un extrait vraiment soft, hein, par rapport à ce que pour voir. Encore, limite, c'est pas. Je voudrais juste parler deux secondes de la télé-réalité, qui est pour moi une entreprise d'abrutissement général, parce qu'en fait, on met en avant des gens qui ont réussi entre guillemets, ou en tout cas qui vivent très bien, puisqu'ils sont très bien payés, qui vivent très bien dans leur vie, juste par leur personnalité de teubé, ou alors des gens qui ont un caractère, voilà, conflictuel, qui vont que s'embrouiller. Ouais. Et du coup, c'est les images de la réussite qu'on donne aux gens maintenant, parce que tu vois, par exemple, si tu vas voir dans les lycées, les collèges, ça parle que des gens de télé-réalité. Pauvre Snap ne te propose que des gens de télé-réalité qui font des placements de produits H24, donc Snap c'est devenu une pub géante. Bon, moi je travaille sur Snap, je vais pas commencer à chipoter, mais tu vois, et tout ce truc, alors qu'à l'époque, bon, je veux pas dire que c'était mieux avant, mais avant peut-être on te mettait en avant des footballeurs, des rappeurs, même si c'était toujours la même chose. Des gens qui avaient réussi par le travail, mais là on te met en avant des mecs, voilà, juste ils font des belles coupes, ils font soi-disant Zama, ouais, j'y vais là-bas pour un projet du genre être mannequin ou être chanteur, alors que c'est de la merde ce qu'ils font, je vous le dis, c'est de la merde, ils travaillent pas. Et des gens qu'on met en avant comme modèle de réussite pour la jeunesse à l'heure actuelle. Franchement, moi j'ai une solution, il n'y a pas de télé chez moi. Ouais, il n'y a pas de télé, mais bon. J'enlève la télévision et mon fils regarde les émissions qui lui plaisent. C'est ses dessins animés. Il a regardé ces documentaires qui l'intéressent, point barre. Bon. Et le temps qui lui reste sur les mains, bah, il y a des bouquins, il y a des jouets pour ça. Mais après, c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. C'est vraiment pas le cas de tout le monde. Moi, je te dis que la majorité de la jeunesse Non, mais ça, je l'entends. Mais, c'est aussi la responsabilité aussi des directeurs de programmation. La solution est à portée de main. La solution est à portée de main. Non, la responsabilité des producteurs, je suis désolé. C'est les parents. Non, c'est même pas ça. C'est que tant qu'il y aura des gens qui vont regarder, aucune chance que cela disparaisse. Tant que ça fera des parts de marché et que ça fera des millions de téléspectateurs, il n'y a aucune chance à ce que ça soit enlevé, puisque aujourd'hui, le marché, c'est l'audience. Moi, aujourd'hui, écoute, c'est les parts de marché. Christophe, moi j'en connais, la fille ou le garçon
à 10 ans, ouais. Il s'identifie, ouais, il s'identifie complètement à un personnage de télé-réalité. C'est ça? Ouais, bah ça, mais c'est normal. Je veux dire, il rentre de l'école, le phénomène, à 16h30 jusqu'à 19h, télé-réalité. Oui. C'est ça. Et quand il s'est fini sur une chaîne, il passe sur une autre. Absolument. Bah forcément, on en a toute la soirée, hein, et puis toutes les chaînes confondues. C'est, voilà. Fermez votre télévision, prenez des bouquins, allez à la bibliothèque. À la rigueur, prenez un iPad et vous contrôlez les vidéos qu'ils vont regarder, vous leur suggérez ce qui les intéresse et vous verrez. Bon, dans un instant, vous allez vous prêter un exercice que je soumets à tous les chroniqueurs dans cette émission, c'est 7 à la une demain. C'est conférence de rédaction, les gars, dans un instant. Demain, il y a des sujets à trouver pour que ça fasse la une et le buzz. Et ainsi, tous les trois, et bien vous allez être nommés rédacteurs en chef d'une chaîne d'infos en continu ou d'une radio. On va voir ça, on va faire ça en détail. Et vous allez nous choisir parmi les deux sujets que je vais vous proposer qui vont faire la une demain. C'est vous qui allez décider en tant que directeur de la rédaction de cette de ce média. A tout de suite. France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Islem Seyli, avec Yasser Louati, avec notre invité aussi Marcus qui est resté avec nous, bien entendu. On n'oublie pas d'aller taguer la page Libérer Marcus. Voilà, et vous ferez évidemment ainsi connaissance avec cette affaire qu'on a relayée, médiatisée aujourd'hui sur France Maghreb 2. Bon, c'est l'heure de la conférence de rédac, les gars. Il est bientôt 18h. Il faut qu'on choisisse les sujets pour demain. Ainsi, j'ai trois experts des médias en face de moi. Yasser Louati, qui est nommé ce soir rédacteur en chef de la chaîne France 24. Ça va, tu t'en sors bien, Yasser. Ouais. Islem Seyli, rédacteur en chef de BFM TV. Ouais. Et Marcus, France Info TV. Alors j'ai deux sujets à vous proposer. Qu'est-ce qui va faire la une sur votre chaîne d'info demain? On a d'un côté Marine Le Pen. C'est incroyable. Marine Le Pen, le procureur a ordonné une expertise psychiatrique dans l'affaire des tweets et des images qu'elle a publiées sur Daesh. Je vous jure que c'est vrai, le procureur a ordonné une expertise psychiatrique, ça risque de faire la une de demain. Ou alors, Donald Trump, et c'est le ministre des Affaires étrangères espagnol qui le révèle, a conseillé à l'Espagne de construire un mur aux portes du Sahara pour contenir les migrants qui pourraient venir donc par exemple du Maroc et d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui va faire la une sur France 24, monsieur Louati, rédacteur en chef? Donald Trump. Donald Trump? Ouais, ça on imagine bien. Sur BFM TV, on va parler de quoi? C'est moi qui décide. Bah oui, c'est toi le rédacteur en chef, moi, là, ce soir. Marine Le Pen qui finit à Sainte-Anne directement. Ah ouais, moi, c'est, je veux voir ce que ça donne. Je veux la voir en face d'un expert psychiatrique, d'un psychiatre. Elle a dit, j'attends de voir comment le procureur va m'y contraindre. Et ben nous, on attend de voir le résultat, le diagnostic. C'est fou quand même. Ça c'est rappelle incroyable. Quand même, pendant sa perquisition, son téléphone, elle l'a pas remis aux policiers. Ouais. C'est un truc de fou. Privilège blanc. Hein. Qu'est-ce qu'on fait du côté de chez France Info Télé, Marcus? On choisit quoi, Marine Le Pen ou Trump? Donald Trump qui travaille chez Lafarge. ouais. Très bien. Bon ben voilà, il suffit de voir demain. C'est un petit exercice, on se prête tous les soirs et j'avoue qu'on s'en sort plutôt pas mal. On voit juste régulièrement. Allez, c'est parti pour un petit Libertad pour finir. Vos appels 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous pouvez nous appeler maintenant. Les lots de surprise, c'est maintenant 01 40 33 9000, le numéro bonheur, numéro magique. Ça peut rapporter gros. Allô, bonsoir. Salut, Youssef Drancy. Salut Youssef Drancy, qu'est-ce qu'il y a? La victoire hier de Lyon à City, personne n'y croyait, bon feu. Incroyable la victoire de Lyon à City, incroyable. Lyon, ils sont toujours présents dans les gros matchs, c'est un truc de fou. Ouais, Jean-Michel, il est content. Ah, il est content, j'espère que Marseille va les taper dimanche, mais bon, ça va être compliqué. Allez l'OM. Allez, l'OM. Ouais, j'espère, mais bon, je pense que vous êtes où? Attendez, rappelez-moi, vous êtes dans quelle compétition, vous, l'OM? En Europa League. Ouais, mais on a 5 finales européennes. Ils en ont combien, Lyon? Ils en ont combien, PSG? Voilà, c'est bon. Allez, bonne journée. Merci. Merci, Youssef. Ouais. Jeu 7 et match. Hein. Tout le temps en train de perdre. Hein. Ouais, pas tout le temps en train de perdre. Ouais, bon. Qui est ça va, Youssef? Le PSG. Bon, ouais. Salut, Youssef. Tu m'as gavé, là. 01 40 33 9000. Oui, le PSG a perdu. Oui, le PSG a mal joué. Oui, le PSG a perdu contre Liverpool. Je me sens un peu en minorité, là. Et j'ai l'impression d'être des Marseillais dans cette pièce. Tu vois ça? Enver de Santos qui est là. Bon. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, monsieur Louati. Bonsoir, c'est la troisième personne. C'est pas... Islem Seyli. Islem. Bonsoir, Islem. C'est Ali, pas les autres. Salut. Salut, Ali. Qu'est-ce qui se passe? Bah, juste pour monsieur Louati, quand ils disent qu'il faut pas regarder la télé. Oui. Bah, c'est seulement pour lui dire, moi, mon meilleur moment que j'ai passé, c'était mardi, à la dernière minute, la défaite du PSG. Mais elle est bonne, Ali, ouais, Ali. Allez, bon. Eh, Ali.
sais pas si tu l'as vu parce que le premier match retransmis par le nouveau diffuseur AFC Sport, ils ont fait un bug total. C'était vraiment l'arnaque du siècle, hein. Mais bon, franchement, franchement, Ali, c'est très bas ce que tu viens de faire. Je retiens. Merci Ali, merci. Je retiens quand tu veux, reviens. Ali, Christophe, oui. Je t'aime, la vérité. Ouais, merci Ali, moi aussi, de loin. Salut Ali. Bon, du coup, ça va perturber cette histoire. Merci Ali, en tout cas, ça sera le dernier, tiens. Parce que là, je crois que c'est la base d'attaque, tout ça, c'est pas bon, ça. Alors, c'est pas bon. Voilà, quand on est militant, on se fait attaquer. Voilà, bah, exactement. Quand on défend une équipe, une grande équipe, le PSG, on se fait attaquer. Non, voilà, pas une grande équipe. Non, une équipe pleine d'argent, pas une grande équipe. Une grande équipe, mais pas dans un grand club. Voilà, voilà, exactement. Ça, désolé, moi ça dirait. Ouais, tout de suite, j'avais désolé. Rouge, bon, messieurs, merci beaucoup en tout cas de votre prestation qui a été assez bonne jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, qui était quelque peu moyenne. Merci tonton. Bon, merci Yasser Louati, à jeudi prochain, parce que le jeudi c'est Louati, bien sûr. Islam Saidi, tu reviens quand? Très rapidement, le plus rapidement. Oui, j'imagine ce que ça peut donner. Et puis Marcus, évidemment, on suit de très près l'ami Marcus, bien sûr. Libérez Marcus sur Facebook. Ah, avant que j'oublie, les gars, ce soir, il y a un de nos chroniqueurs qui passe à la télé, donc faut la regarder quand même. C'est complément d'enquête ce soir à 22h45. C'est sur l'affaire Benalla. C'est notre ami Taha Bouafs qui a filmé Benalla le 1er mai à Paris. Bon, malgré lui, hein, il savait pas que c'était Benalla, évidemment. Puis sa vidéo a fait le buzz. Et c'est ce qui a déclenché, finalement, une des vidéos, en tout cas, qui a déclenché le scandale Benalla. Faut le protéger, lui, hein. Ah oui, un petit peu, oui. Et d'ailleurs, il y a quelques sénateurs qui parlent d'une véritable escroquerie de son audition. Hein. Il nous a menti, s'est foutu de notre gueule ouvertement, c'est ce que certains sénateurs disent hier. Bon, ceci étant, c'est 22h45, c'est sur France 2, notre ami Taha Bouafs, qui sera donc, qui a été filmé, puisque l'émission est enregistrée, à voir ce soir 22h45. Demain, Enver, il sera là, Enver, demain. Ouais, très bien, avec Tarek Mami et avec Anissa Reggy. Autrement dit, il va être bien accompagné. Il va falloir que tu t'imposes, mon vieux, hein, parce que quand il y a Tarek, on a difficilement la possibilité d'en placer une, hein, je te le dis direct. Bon, ok, te voilà prévenu. Merci Islam, merci Yasser, merci Marcus, merci à tous, bien sûr. Super émission. Merci à vous. Et à très vite, les gars. L'heure de retrouver Marine Garrett pour l'info, puisqu'il est 18h01. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. En l'état actuel, les propositions de Londres sur le Brexit ne sont pas acceptables, selon Emmanuel Macron. Le président français a donné une conférence de presse tout à l'heure à la sortie du mini-sommet européen, consacré à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, à Salzbourg, en Autriche. Les dirigeants européens se réuniront de nouveau le 18 octobre prochain. Ce sera le moment de vérité, affirme Donald Tusk, le président du Conseil européen. Marine Le Pen refuse de se soumettre à une expertise ordonnée par la justice. Expertise psychiatrique après sa mise en examen pour avoir diffusé sur Twitter des photos d'exécution pratiquées par Daesh. C'est proprement hallucinant, dénonce la présidente du Rassemblement National. Deux ours seront réintroduites dans les Pyrénées-Occidentales au début du mois d'octobre. François de Rugy, ministre de la Transition écologique, l'a annoncé aujourd'hui au grand désespoir des opposants à la réintroduction de l'ours en Pyrénées-Occidentales. Il n'y aura pas de procès en révision pour Jérôme Kerviel. La Cour de cassation juge irrecevable la demande de l'ex-trader de la Société Générale. Jérôme Kerviel avait été condamné en 2014 définitivement à 3 ans de prison ferme pour avoir fait perdre 4,9 milliards d'euros à la Société Générale. Il a toujours affirmé que la banque ne pouvait ignorer ses actes. Pour demander la révision de son procès, ses avocats ont invoqué des éléments nouveaux. L'affaire Benalla, c'est l'affaire Macron, selon Benoît Hamon, le fondateur du mouvement Génération. L'ancien candidat à la présidentielle a critiqué la conception du pouvoir du chef de l'État qui l'amène, je cite, à se considérer tout puissant. Benoît Hamon attribue à la Ve République la manière dont le pouvoir fonctionne, un vice profond, dit-il, qui crée cette forme d'impunité, ses privilèges, cette absence de transparence. Fin de citation. Sport football, le début des phases de poule de la Ligue Europa ce soir. 3 clubs français en lice. Marseille face à Francfort, le Stade Rennais à Jablonec et Bordeaux jouera à Prague. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.